bien la volonté de mes prédécesseurs a été de favoriser cette école, ou en tous les cas d'équiper cette école avec des technologies de pointe, puisque nous sommes ici avec des écoles, avec des enfants qui sont souvent issus, sinon de milieux défavorisés, en tous les cas de milieux moins favorisés. Et donc c'est un projet pédagogique lié à la discrimination positive qui a permis de équiper plusieurs classes, 23 pour être précise, avec des tableaux interactifs et des technologies modernes. Je pense vraiment que c'est un attrait supplémentaire. J'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs cours, entre autres des cours de mathématiques, qui a priori peuvent être des cours plus rébarbatifs et qui, présentés sous la manière plus ludique, sous la manière plus visuelle avec cet équipement, eh bien, sont des cours qui sont nettement plus abordables et libèrent également le professeur dans toute une série de tâches qui étaient celles de refaire les dessins, de faire les représentations au tableau, et lui permet de circuler dans les bancs et donc d'être disponible pour ses élèves. Ce que j'adore faire personnellement, c'est introduire chacun de mes nouveaux paragraphes avec un petit diaporama PowerPoint, ce qui est évidemment magnifique avec un tableau dans ce genre-là, puisque ça permet d'introduire différentes leçons. Les élèves peuvent aller travailler dessus et je peux enregistrer. Donc automatiquement, la leçon suivante, je reprends ma classe de première A, je sais où on en est arrivé. Un autre outil, c'est tout ce qui concerne les images, les cartes, les documents qu'ils peuvent voir en grand, qu'on peut manipuler un peu comme on veut, qu'on peut utiliser, on peut faire des annotations, on peut cacher des choses. On peut tracer des formes aussi. Se tracer avec une latte au tableau, il ne voit pas les graduations comme il le voit ici. Il est possible d'aller sur certains sites, récupérer des expériences qui ont été faites par des expérimentateurs et de les montrer donc directement aux élèves. Je peux faire des petites séquences filmées, donc on peut faire des exercices, on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Les élèves ont envie de venir au tableau, ici on a bien vu, ils étaient 10-12 à venir, donc c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, ça permet de donner une leçon dynamique, amusante. Ils ont directement le cours devant les yeux, donc ils savent déjà beaucoup mieux s'y retrouver au niveau de leurs feuilles, ils savent où ils sont arrivés, où on en est pour répondre aux questions, etc. Ils adorent l'informatique, donc ils sont déjà plus motivés de venir au tableau. Quand on a des absences, il y a moyen de mettre en mémoire certaines synthèses, certaines feuilles qu'on aurait complétées. L'enfant revient, on a le support directement. Dans des classes où on n'a pas ça, ben, c'est toujours écrit, on n'a pas toujours l'occasion d'aller au tableau ou quoi. Tandis qu'avec ça, ben, on a l'occasion souvent d'aller au tableau. Ils viennent au tableau parce qu'ils aiment bien d'écrire avec le stylet et puis d'utiliser tout ce qu'il y a comme outil. Oui, j'ai l'impression que les élèves sont plus attentifs et plus concernés. C'est bénéfique pour les enfants, mais c'est bénéfique aussi pour nous. Si on doit suivre une formation sur tel ou tel sujet, ben, on a un matériel qui peut être adapté. Ben, comparé à l'année dernière où on avait une classe sans ça, ben, je trouve que j'arrive à mieux comprendre avec ça. C'est simple, c'est chouette, c'est fun.